Alors la ligne. Un petit trou. Alors comme j'ai pas, j'ai absolument pas confiance au cadre qui risque de bouger, bah il y a un truc tout simple. Hein. On fait un nœud de cabestan. Hop. Ça peut être en kikinant la première fois. Hop. Et voilà, alors le nœud de cabestan, oui, ça donne ça. On va faire un petit zoom pour bien montrer. Tout le monde connaît le puits, le serpent qui sort du puits, il passe sous l'arbre et hop, et comme ça un chieur, et ben il retourne aussi sec dans son puits. Quand vous tirez, ça fait un nœud de ce genre-là qui bouge pas. Plus on tire, plus ça serre. Le fameux nœud de chaise. Et on tire, on verrouille bien. Cabestan, le nœud cabestan au milieu droit, on le règle à peu près. Et on n'oublie pas de tirer dessus pour le verrouiller. Tac, il n'y a plus qu'à mesurer. On fait la même chose de l'autre côté. Tout simple.